Nous savons que dans la nature première, telle qu'elle fut créée par le Créateur du monde, et telle que cette nature était avant la faute du premier homme, la nature a été créée avec ses frontières, avec ses mesures, bien entendu. Mais il y avait quelque chose d'incroyable dans cette nature, c'est qu'elle était capable de contenir tout ce qui est en dehors de la nature et de révéler tout ce qui est en dehors de la nature à partir de cette nature. Autrement dit, la nature première, originelle, était capable de dévoiler l'antinature, j'allais dire, comme si elle faisait pousser d'elle-même des éléments qui la dépassent.